Mais en temps, les morceaux d'avant, là aussi, ça a dû, hein. Qui lance les pas que je vois ici là, c'est le yi. Quand il fait yi comme ça, André il t'appelle. Quand tu entends ça, tu peux plus t'asseoir. Tu te sens obligé de libérer ton talent de danse. En tout cas, merci d'avoir participé à ce retour dans la belle enfance, dans le passé, le beau passé. Pas le passé de Goumen là. Ça, c'est le bon côté là. Bon, on va y aller. Allez. Vraiment, merci d'être là. Merci d'être là. Ça fait plaisir de vous avoir. Alors, comment vous allez? Moi, ça va bien. Ça va très bien. Je suis fatiguée comme une femme enceinte, comme je vous disais tantôt. Enceinte parce que je suis en train d'enfanter ce beau projet que vous connaissez, qui est mon entreprise de coaching et de formation qui est en démarrage. Donc, en démarrage, là, c'est vraiment exactement... Ouh, le morceau chauffe. Chauffe. Vous voyez le morceau, là, ce que ça fait. Viens me concentrer, c'est bon. Il me concentre. La chaleur là-bas tue, hein, ma soeur Raymond. Quand le froid vient, ça nous congèle. Quand la chaleur aussi vient, c'est autre chose. Moi-même, j'avance même pour qu'on puisse parler. Bon, allez, on y va. Contente, je vois que ça va bien chez vous. Parfait. Donc, je vous disais, je suis comme une femme enceinte parce que j'ai mon bébé que je suis en train de former, qui est en train de sortir, qui est en train de prendre forme. Et on sait que toute conception vient avec, on va dire, ses exigences. Donc, c'est demandant, mais c'est pour la bonne cause. Donc, des fois, je suis fatiguée, mais je ne peux pas me permettre de m'arrêter. J'estime que j'ai trop traîné. Mais pour moi, c'était le temps de collecter de l'expérience pour pouvoir être celle que je suis aujourd'hui et pouvoir vous partager ce que j'ai vécu au travers du coaching, au travers de la formation. Donc, qu'est-ce que j'avais comme nouvelle pour vous aujourd'hui? Donc, avant de vous lancer la pilule, allez, on va danser un peu. On danse un peu. Niamen dit de sortir la phase. C'est quand ça fait trop, on tape dans les mains comme ça. Donc, la première nouvelle que j'ai pour vous, c'est vraiment des remerciements que je vais vous adresser. Je suis, on va dire, sur Facebook de façon publique depuis le 1er février. Et on a fait février, on a fait mars, on a fait avril, on est en train de terminer mai et vous êtes là. Merci pour votre fidélité. Coucou Karine, merci pour votre fidélité. Merci pour vos encouragements. Je reçois beaucoup d'encouragements inbox. Il y a des gens que je ne savais même pas qu'ils me suivaient parce que je ne les vois jamais sur les lives, mais je suis étonnée des personnes qui m'écrivent pour me dire, on te suit, on t'encourage, on est avec toi, on prie pour toi, on aime ce que tu fais, on aime la bonne humeur que tu dégages, on aime la façon dont tu amènes les messages. Je lis les messages, je suis comme, waouh! Donc, merci pour votre soutien. Ça fait chaud au cœur. Comme je disais, c'est exigeant cette phase de démarrage parce que la vie continue autour. J'ai toujours mon activité professionnelle à 100%. Je travaille à temps plein. Donc, ça fait que j'ai de longues journées, mais c'est pour la bonne cause. Et quand on sait qu'on est en train de faire quelque chose qui rejoint des gens, on sait qu'on est en train de faire quelque chose qui bénit des gens, on sait qu'on est en train de faire quelque chose qui change des vies. Parce que c'est ça, il ne faut pas avoir peur des mots.
qui changent des vies. Quand j'entends certains témoignages, j'attends de prendre l'autorisation des personnes et je vais comme vous faire une publication où je vais vous partager des mots que j'ai entendus. Moi-même, j'ai eu la chair de poule. Et j'ai vraiment demandé pardon à Dieu d'être resté dans mon petit confort longtemps, de n'avoir pas pris cette décision plus tôt. Mais comme on dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, donc je considère que c'était là le moment pour moi. Et je mets désormais tous les efforts que je peux mettre, la grâce de Dieu aidant pour que les choses avancent. Donc justement, dans le cadre de toute cette structure que je suis en train de mettre en place, nous allons nous retrouver désormais une fois par semaine. On va plus se retrouver deux fois. On va se retrouver le dimanche. Je vais garder le dimanche à 18h30 parce que entre les coachings et autres, j'ai besoin comme d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir servir cette clientèle qui a besoin de passer à autre chose, qui a besoin d'aller à un niveau supérieur. Donc, on va garder nos rendez-vous une fois par semaine, on va dire de façon publique comme ça sur Facebook. Et puis, on va être en train d'aider sous d'autres plateformes. Je ne me retire pas pour. Plus que jamais, je suis, comme on dit, dans la business même. Plus que jamais, je suis dedans à fond. C'est juste que si vous me voyez moins, c'est-à-dire moins de deux rendez-vous comme j'avais commencé, c'est parce que je fais un travail dans le lieu secret avec ces personnes qui ont besoin de quelque chose que Dieu a déposé en moi. C'est juste ça. Je dis coucou à Linda. Merci d'être là. Hey, merci ma grande sœur Blessing d'être là. Merci beaucoup, ça me touche. Tu vois, c'est ce genre d'apparition qui me bénit. Ce genre de comme je vous parlais tantôt, de messages que je reçois à une box de personnes qui me suivent et qui m'aiment beaucoup. Ça, c'est une belle énergie que je reçois. Donc, on va se retrouver désormais les dimanches à partir en fait, c'est le dernier mercredi, là, live. C'est pour ça qu'on a moulé un peu au début. Vous savez que j'aime danser. Vous savez que j'aime la fête. Donc, ça, c'était la première nouvelle. Deuxième nouvelle que j'avais pour vous, ma masterclass que j'organise. D'accord, ma belle Nadia. La masterclass que j'organise le 6 juin prochain. Donc, j'ai partagé le lien sur ma page. Je vais repartager, je vais repartager, repartager pour que vous puissiez vous inscrire si vous faites partie de ces femmes qui ont envie d'investir en elles, qui ont envie de prendre du temps pour se former, qui ont envie de prendre du temps pour réfléchir à leur vie, qui ont envie d'être en train, comme je disais à mes héroïnes, et je vous explique, c'est qui mes héroïnes? Mes héroïnes, c'est celles-là qui sont actuellement en train de passer au travers du programme de formation que j'offre, qui s'appelle 6 semaines pour être l'héroïne de sa vie. Je leur disais, prendre le contrôle de sa vie, c'est comme quand tu as une voiture et puis tu vois, tu as les clés en main et puis tu roules. C'est quand tu veux que tu démarres. C'est quand tu veux que tu t'arrêtes. Tu vois, tu as les clés en main. Donc, c'est cette image que j'avais gardée pour leur dire quoi? Pour leur dire, tu dois être en train de gérer ta vie d'une certaine façon que tu sens que tu as les clés en main. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'imprévus. Les imprévus, il y en a toujours. Mais tu es équipé pour faire face aux imprévus. Et vu que tu ne mènes pas ta vie, on va dire, au gré du vent, que tu l'as planifié, quelle que soit l'adversité, tu avances. Tu auras comme juste des ajustements à faire, mais tu avances pareil. Moi, je suis là aujourd'hui tout simplement parce que j'ai planifié quelque chose dès le 1er janvier 2020. Quand j'ai réalisé que nous étions en train de rentrer dans une nouvelle décennie, là, ma façon de marcher a changé parce qu'il s'agit pas de, il s'agissait plus de passer d'une année à une autre, mais de passer dans un nouveau cycle de 10 ans. Et j'ai pris la décision d'être en train de faire quelque chose qui va me bénir hautement pour que je rentre en 2030 dans une autre dimension. Et c'est cette décision que j'ai eu à prendre au 1er janvier
qui a fait que j'ai commencé à mener certaines actions. Et j'ai fait une vidéo dessus, je pense, mes premières vidéos, un témoignage que j'ai appelé Qui cherche, trouve. Parce que je me suis mise en quête de quelque chose. Et petit à petit, Dieu lui-même a comme conduit mes pas vers des devanciers dans le métier. Je suis passée comme d'un coach qui m'a donné comme une partie. Ça m'a orientée vers un autre coach où j'ai pris encore des éléments et ça m'a orientée vers la coach qui me coach actuellement. Donc, j'ai cherché et par la grâce de Dieu, le chemin s'est tracé. Et c'est parce que j'étais dans un certain état d'esprit qu'on va dire la pandémie n'a pas d'impact sur moi. Parce que ce que j'avais prévu faire, je le fais pareil. Si je n'avais rien prévu, j'allais être... Oups, j'ai un problème de connexion. J'ai un problème de connexion. Est-ce que vous êtes encore là? J'ai un problème de connexion. Je vais regarder sur ma page ici. J'ai un problème de connexion. Bon, est-ce que vous êtes encore là? Je veux juste voir si vous m'entendez. OK, ben, je vais arrêter pour reprendre alors. Vous m'entendez, mais est-ce que vous voyez? Parce que j'ai un message comme quoi la caméra ne s'affiche pas. Est-ce que vous me voyez encore? Ah, mais parfait, parfait. Donc, je vais regarder sur mon téléphone. Merci les filles. Mais pourquoi il me met des affaires comme ça? Arrière de toi, réseau. OK, ben c'est bon. Moi, je vais continuer pareil, même si je vois rien. Il me dit que la vidéo passe pas. C'est ça qu'il me donne comme message. Mais je vais garder mon téléphone quand même pour surveiller parce qu'il m'a déjà fait le coup sur des coachings de groupe là où j'étais en train de faire ma diffusion et puis il m'a lâché. Donc, je vais le garder là, 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 là. OK. Donc, ce que je disais, c'est que c'était important vraiment de planifier et puis d'être en mouvement. Et c'est ce qui a fait que je suis capable d'être là aujourd'hui et puis malgré la pandémie, d'avancer dans la mise en place de ma structure. Et justement parce que ça évolue, je suis capable. Coucou Karen! D'accord, merci Rosine, c'est gentil. Donc, je suis capable d'avancer malgré ça. Et donc, c'est cette élite de femmes-là que je veux aider à lever, de dire qu'il faut faire certaines choses dans sa vie et c'est à nous de le faire. Et donc, c'est pour ça que je lance mes programmes de formation qui demandent aussi que j'accompagne ces personnes sur cette période. Donc, j'aurai la masterclass où je vais partager l'expérience que moi je vis par rapport aux clés de vie. C'est quelque chose qui fonctionne et comme je le disais, c'est comme si je me suis fait une boîte à outils. Voyez un peu la boîte à outils qu'on a à la maison ou dans la voiture avec toutes les formes de tournevis, de clés, de machin. Donc c'est comme quelque chose comme ça que je me suis constitué qui me permet quand je suis devant une porte de ma vie de dire, c'est laquelle des clés qu'il me faut pour ouvrir cette porte-là. Et moi, ça m'aide au quotidien. Et parce que ça m'aide, je veux le partager avec toi au travers de cette masterclass-là, qui est gratuite, qui est gratuite. Vous avez juste à cliquer sur le lien, à rentrer vos coordonnées. Vous allez avoir un courriel qui va arriver dans votre boîte. Il faut vous assurer que ça ne part pas dans les spams ou dans les pourriels ou dans le courrier indésirable, vous allez aller confirmer, c'est au terme de la confirmation du courriel que vous pourrez recevoir on va dire le courriel de confirmation finale. Et c'est ça qui va me dire dans le système que oui, Karen est enregistrée, oui, Bénédicte est enregistrée.
Donc, c'est vraiment on va dire, cet événement que j'ai et que je suis en train de préparer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous montrer comment je fais. C'est pas vous, celles qui me connaissent là, je ne suis pas compliquée. Je n'aime pas les choses dures, les choses qui prennent la tête. La vie est assez dure. Donc, moi, tout ce qui dépend de moi, je rends ça light. Donc, je vais vous montrer comment, par des exemples de ma propre vie, parce que c'est sa vie qu'on connaît où? C'est la mienne que je connais. Donc, au travers de ma propre vie, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à ressortir ces clés. Et ça part de ma méthode qui est la relecture de vie. Donc, ça va vous aider à vous habituer à on va dire, ce mécanisme intérieur de relire sa vie pour savoir, OK, dans telle situation, comment je fais et tout. Et je vais vous partager ces clés-là que moi-même j'utilise. Je pense j'en ai déjà partagé. J'ai fait une infographie que j'ai appelée 6 clés pour jouer ta vie. Ça reprend un peu ça. Mais là, je pars avec des exemples de vie et puis j'ai d'autres clés parce qu'il y en a beaucoup. Peut-être même que je vais faire un manuel de mes clés, je ne sais pas, comme j'ai un talent d'écriture que je n'ai pas encore déployé. Peut-être qu'à un moment donné, je vais le faire. Mais c'est vraiment une masterclass pour commencer comme à susciter quelque chose dans la tête des femmes, pour qu'on soit en train de jouer notre rôle. Hein? Moi, je vous dis que je veux vivre et c'est ce que je m'attelle à faire. Je veux vivre une vie qui donne la vie. Donc, toi, apprends aussi à te dire que ma vie doit donner la vie, au-delà de la vie naturelle qui est d'enfanter des enfants. Qu'est-ce que ta vie apporte au monde? Donc, c'est tout ce que je fais, c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça peut apporter à quelqu'un? Mais surtout que les gens comprennent aussi que il y a un travail personnel à faire. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui sont en train d'œuvrer dans le développement personnel que les gens ne devraient pas être au niveau où ils sont. Si chacun prenait la pleine responsabilité de son développement, si chacun investissait en lui, si chacun était capable d'être cohérent et autonome, pertinent dans ses prises de décision et passait à l'action, le monde serait ailleurs. Mais c'est pas tard. C'est pas tard. Chacun en prend conscience, on va dire, autant voulu. Mais c'est surtout de passer à l'action. Donc, c'est vraiment dans cet élan que je déploie mon entreprise et c'est dans cet élan que j'organise cette masterclass pour pouvoir partager cette stratégie. C'est tout ce qui peut permettre de se reprendre en main. Moi, je suis comme prête à donner, prête à partager. Donc, c'est vraiment une invitation que je vous lance. Si vous connaissez des femmes que ça pourrait intéresser. Mais comme je dis, ça prend un premier déclic qui est le dégoût de la situation actuelle. Si tu te sens bien dans ton petit confort là, ça va être difficile. Comme on dit chez nous, trop parler, ça donne dagué. Donc moi, je veux des personnes qui ont déjà commencé à se dire, honnêtement, la vie que je mène là, ça ne me plaît pas. Je sens à l'intérieur de moi que je peux faire plus. Et puis, je vais chercher les outils pour ça. Et une fois que cette prise de conscience est faite là, il y a des débats que ça nous évite. On est cohérent, on est pertinent parce qu'on veut aller quelque part, on veut aller à une place. Et la détermination a déjà été semée à l'intérieur de nous par le dégoût de la situation, de dire non, ça ne peut pas être que ça. Tout ne peut pas tourner autour de moi et moi seule. Il y a autre chose. Qu'est-ce que j'ai en moi? Qu'est-ce que je peux donner? Comment je peux aider? Quelle trace, quel impact je laisse en ce monde quand je pars? C'est autant. Il faut être à ce niveau de besoin, à ce niveau de questionnement dans ta vie pour que quand l'aide, le support arrive, tu puisses le capter et on va dire capitaliser dessus. C'est comme. Tu n'es pas préparé. Si tu rencontres aujourd'hui notre premier ministre, M. Trudeau, ben, quand il va te demander tu veux quoi, tu vas tenter de bégayer. Tu ne sauras même pas poser les vraies questions. Tu ne sauras pas demander les vraies choses. Et tu vas dire ce qui te vient par la tête. Or, quand ce travail de préparation préalable est fait, quand nous autres on arrive, on frappe pile sur ce qu'il faut. Donc, c'est pour ça que je fais les vidéos comme pour amener certains questionnements, pour amener certaines réflexions. C'est pour ça que j'offre cette masterclass, pour amener aussi, pour préparer un peu les gens. De sorte que
Demain, quand on a envie d'aller dans des formations, on a envie d'aller à un certain niveau de coaching, toi-même, tu sens que c'est ce qu'il te faut. Toi-même, tu sens que tu as besoin de ça. Et puis, on avance quoi. Moi, mais je ne vais pas avoir d'agbé, hein? Ça va bien faire. Tout ça, mes trucs vont rester clean, quoi. J'aime pas ce qui fait mal. J'ai mes amis d'école ici, elles connaissent. À l'école, épreuves sportives. Tout ce qui est sport collectif, où on peut tomber pour se blesser, là, ils n'aiment pas. Tout ce qui fait mal, mal, je laisse. Donc, je suis dans le même état d'esprit dans mon entreprise. Je veux aider des gens qui vont me faire avancer, qui vont faire que je vais sentir que je suis en train de faire ce que j'ai à faire. Des gens qui vont transpirer la transformation. Des gens qui vont changer. C'est ça que je veux. Donc, je sais que parmi vous, là, vous savez qui est rendu. C'est à ces personnes-là qu'il faut partager l'information. Faudrait pas que ce soit une masterclass de plus. Il faudrait pas que ce soit un webinaire de plus. Hein, tous les trucs qu'on fait, il faudrait pas que ce soit un contenu de plus, mais que ce soit quelque chose qui touche réellement la cible qui est là. Si on doit être 25, que les 25 sont impactés, je dis yes. Mais si on doit être 10 000, que j'ai trois qui sont impactés, moi j'ai un problème avec ça. Mais moi je suis pas faite pour les foules. Je suis pas faite pour les foules. Je pense qu'il y en a qui ont déjà comme, comme on dit, passé le chemin, qui ont essayé de. Il y en a qui font tellement. Chacun a son appel. Moi, je sais que je suis pas faite pour les foules. Mais c'est comme des. Comment je vais dire ça? C'est comme des pions. C'est comme des pions que je vais aider à activer. Et ces personnes-là vont, et puis ont leur rayonnement. Donc, c'est comme ça qu'on va toucher la foule. Mais pas en ramassant tout le monde. Et puis, on vient, on parle, on a d'abord. Vous avez dit, les lèvres de la coach. Moi, j'ai petit bouchon. Lèvres de la coach, là, c'est comment? J'aurais parlé, parlé, puis rien. Comme on dit, fouetter. Non. Je veux des fruits dans vos vies. Je veux des vies transformées. Je veux que vous soyez en train de donner la vie. Donc, rendez-vous pour la masterclass. Qu'est-ce que j'ai encore comme information pour vous? Voilà. Et justement, toujours dans cet élan d'aider les femmes, les hommes, excusez-moi, je vais m'occuper de vous bientôt. C'est juste que pour le moment, je vais me concentrer un peu sur les femmes, vu que je suis plus proche de leur réalité. C'est vrai que moi, dans la vraie vie, j'ai beaucoup d'amis hommes. Et les gars se confient beaucoup à moi. Donc, à un moment, je voulais faire comme les deux, mais je vois que ça va pas aller. Donc, je vais m'occuper, je vais me concentrer un peu sur les femmes. Donc, vos soeurs, vos épouses, vos amis, eux, hein, vous pouvez les orienter vers moi. Et puis, quand on aura bien géré les femmes, les choses seront sous contrôle et tout, je vais réfléchir à qu'est-ce que je peux mettre en place pour les hommes. OK? Donc, je vous oublie pas. Je vois des hommes là. Vous êtes toujours dans mon cœur, mais ce que je suis en train de faire, de toute façon, vous allez avoir les retombées dans vos familles, dans vos foyers, dans vos milieux de vie. Parce que ces femmes-là qui sont relâchées dans la vie, là, elles vont vous faire du bien. OK? Voilà, mon fils est là. Mon fils est là. Et il tague sa femme. Tu vois, c'est ça. Ça, c'est le modèle de couple qu'on veut là. Donc, l'autre information, donc, un. Les lives, on passe à un live par semaine. Désormais, on passe à dimanche, 18h30. On n'a plus de live les mercredis. Deuxième information, masterclass, le 6 juin à 14h, heure de Montréal. 18h GMT, parce que j'ai des gens de la France, j'ai des gens d'ailleurs. Donc, 18h GMT. Il faut vous inscrire. Le lien est partagé sur ma page, mais je vais le repartager. Et troisième information, donc je rappelle le thème. Le thème de la masterclass, c'est les clés de vie, une stratégie pour reprendre le contrôle de sa vie. Et troisième information, c'est un espace de formation virtuelle que j'ai ouvert depuis, je pense, deux semaines, deux, trois semaines, ouais. C'est un groupe privé. C'est un groupe privé. Donc, c'est un espace que j'ai dédié vraiment à de la formation que je donne une fois par semaine.
Et puis après, ben, je verrai quels sont les contenus que je peux rajouter. Donc, un espace qui est dédié aux femmes. L'espace, c'est un groupe privé où moi-même, je vais comme recruter le monde. Comme je vous disais, je ne veux pas avoir tout le monde là. Je veux les gens que je peux vraiment aider, les gens qui veulent vraiment avancer, les gens qui veulent un changement. Je vais donner la possibilité, des fois dans les publications pour les personnes qui sont là, de pouvoir inviter. Donc, pour le moment, moi-même, je filtre, j'invite quelques personnes et puis j'interagis dans certains groupes. Donc, dépendamment de ce que j'entends comme difficulté des femmes et tout, il y a des thèmes qui me viennent à cœur, mais que je ne veux pas être en train de dévoiler comme sur la place publique. Je veux vraiment qu'on traite ça en groupe, en privé, pour que ce soit assez intime, que les gens se sentent proches de moi et que ça permette une meilleure, on va dire, adhésion au message. Donc ça, c'est vraiment un groupe privé dans lequel j'interviens pour de la formation une fois par semaine. Donc le groupe s'appelle les Ateliers Divines, hein, de coach Evelyne Yeboah-Roland. Donc au fur et à mesure que je vois des réactions, des fois je vais inviter des personnes. C'est sûr que pour le moment, je n'ai pas encore mis de questionnaire à l'entrée, mais ça va venir bientôt. Pour que je sois sûre que dans ce groupe, je suis en train de parler à des femmes qui veulent en découdre, à des femmes qui sont prêtes, à des femmes qui veulent avancer, à des femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur vie, à des femmes qui veulent vivre la vie qui bouillonne en elles, à des femmes qui veulent vivre une vie qui donne la vie. Donc, c'est là-bas qu'on va gérer certaines questions. Donc, pour certaines d'entre vous, on se retrouve là-bas. C'est pas pour tout le monde. Je sais que ici, on est vraiment comme grand public, donc j'ai la famille, j'ai les amis, on va dire ça peut être comme plus sympathique qu'être vraiment dans le volet formation. Là-bas, vraiment, c'est pour la formation. Gratuitement, c'est ma contribution. Maintenant, à côté de ça, j'ai mon programme de formation, comme je vous ai dit tantôt, qui tourne. Là, j'ai un groupe, on va finir bientôt. On est à la 4e semaine, il nous reste 2 semaines. Donc, je vais ouvrir un autre groupe et je vais en parler à la masterclass. Donc, je vais ouvrir un autre groupe et puis ben, je vous donnerai les modalités et tout. Mais ça va venir. Donc, voici un peu les nouvelles que j'avais à vous partager. Et vraiment, merci, merci, merci pour la confiance. Merci d'être là. Merci pour votre belle énergie. C'était vraiment le partage d'aujourd'hui. Vu que c'est le dernier mercredi, il n'y a pas de sujet. Comment on dit? On est en mode enjoy, hein? On est en mode enjoy, les choses avancent et c'est ça que je veux vous transmettre. Encourager quelqu'un sur le chemin de sa destinée, encourager quelqu'un dans ses projets. Donc voilà. Coucou Clarisse qui nous a rejoint. Coucou, coucou, coucou. Je vois aussi Linda. Oui, Linda, on était ensemble déjà depuis tantôt. Alors, donnez-moi de vos nouvelles rapidement. Qu'est-ce que vous avez comme nouvelles de votre côté? Je vois Raymond qui a dit qu'elle va dire à Trudeau, notre premier ministre, là, qu'elle veut être ministre. Oui, toi, tu es dans le monde politique et je pense que tu es à la bonne place. Tu fais les bonnes affaires, tu es cohérente, tu es alignée. Donc, moi, j'attends seulement la nomination pour aller pour l'investiture. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais rester avec vous comme encore quelques minutes. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez même des témoignages, hein, par rapport à qu'est-ce que j'ai eu à partager comme message avec vous depuis le 1er février 2020. Qu'est-ce que ça produit dans vos vies? Comme je dis, je ne veux pas être en train de donner des messages de plus. Hein? Je veux vraiment un réel impact. Donc, si vous avez des choses à partager, ben, juste soit vous pouvez les mettre là, je vais les lire pour les partager avec les personnes qui sont avec nous, ou inbox tranquillement. Je ferai une publication spéciale témoignage où je vais remonter comment ça se passe. J'ai de très bons retours avec mes héroïnes qui sont en formation actuellement. C'est juste gratifiant de savoir qu'on est en train d'aider des gens dans leur vie. Clarisse dit quoi, mon foulard? Mais c'est ça, toi, tu es la chief des foulards. Donc, je suis ta stagiaire. Je suis ta stagiaire. Surtout que
Mes héroïnes, là, elles sont allées me mettre dans un scénario. Elles m'ont mis dans le scénario d'aller regarder la série sénégalaise, La maîtresse d'un homme marié. Donc, ça a réveillé mon onction de foulard, là. Tu vois, non? Ça a réveillé ça. Donc, moi-même, je fais, puis je tourne. Et puis, je me rappelle d'un foulard que j'ai vu dedans. Je tourne ça d'une façon. Mais la beauté, c'est que justement, dans mon groupe privé, là, j'organise désormais à partir de cette semaine-là. Je vais alterner formation et discussion sur, parce que cette série, au-delà, parce que moi, je ne vois plus les choses de la même façon, au-delà d'être du divertissement, c'est plein, pour ne pas dire c'est bourré, c'est truffé de leçons de vie par rapport à des choses qu'on peut vivre en tant que femme, qu'on vit en tant qu'Africain, hein, plein, 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 plein d'affaires, plein, plein, plein. Et donc, moi, j'ai décidé de faire des formations dessus. Ça sera comme c'est pas une vraie formation parce que je vais pas aller rédiger un contenu et tout là, mais c'est des espaces de discussion que je vais ouvrir dessus. Parce que en regardant ça, ça m'a aidé à faire une relecture de certains domaines de ma vie, t'sais, ou certains pans de ma vie, t'sais, on n'est plus dans le même environnement. Donc, il y a des réalités de chez nous, des fois, qu'on peut perdre de vue. Et là, quand j'ai regardé ça, ça m'a rappelé des situations que j'avais vécues. Puis je me suis dit, ouh, ça, il faut que je saisisse ça, parce qu'il y a certainement une jeune dame qui est en train de vivre la même situation. Donc, il faut être en train de, comment on appelle ça, de sensibiliser, hein? Il y a des choses qu'on a fait, écoute, ce n'était pas la peine. Si ce n'est pas juste pour nous donner de l'expérience, ça, ce n'est pas la peine. Parce que la fin de ça, là, ce n'est pas bon. Donc, il faut qu'on puisse avoir des petits cadres à côté, là, sur le côté, comme on dit, où on va se parler. Et moi, je vais parler par rapport à ce que j'ai vécu. Peut-être que d'autres l'auront vécu différemment, donc on pourra amener la discussion et tout. Mais l'idée, c'est faut qu'on soit en train de s'impacter entre femmes. Pour sortir de, ben, comme on dit, de certains faux ken même, de certains faux ken. Et il y a des choses, quand quelqu'un qui est passé par là te parle, c'est plus facile pour toi d'accepter que quelqu'un qui l'a jamais vécu. Donc, ma petite expérience là, je vais, en tout cas, à chaque fois que je regarde, que je vois des affaires, je regarde et puis je me dis, ça, il faut en parler. Ça, il faut sensibiliser les femmes dessus. Ça. Et il y a des choses, on regarde dans les films et puis on est là, on fait tchap, 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 ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, c'est tout ça aussi que je vais ramener pour vous dire que il faut être vigilant. Il faut être en contrôle de sa vie. Parce que les aspects de ta vie que tu ne traites pas bien, ça va te rattraper devant. Et donc, c'est ça que je vais ramener. Bon, ah, tu vois, Nadine est là, elle a les yeux qui brillent. Parce que justement, je pense que Nadine, c'était ton idée. Et puis, oui, c'était ton idée, hein. Et puis, je ne sais plus qui d'autre avait renchéri, mais je pense que c'était ton idée. En tout cas, vous m'avez convaincu. Et c'est devenu pour moi comme comment je vais dire ça? C'est-à-dire, je le regarde de façon pédagogique. Je regarde ça, mais vraiment de façon pédagogique. Et mais il y a tellement de choses à faire. Quand j'aurai le temps, un beau jour, là, je sens que je vais monter une formation sur plusieurs thèmes, en prenant des personnages, en prenant des situations. C'est-à-dire, cette semaine-là, je vais parler, dans le groupe, je vais parler de cette rencontre-là entre Marem et Cher. Hein? Et j'ai le thème de la causerie, là. C'est une rencontre inattendue. Et ça, là, que tu sois marié, que tu sois célibataire, que tu sois veuve, que tu sois divorcé, que tu sois, que tu sois, que tu sois, rien, rien ne peut te mettre à l'abri de ce genre de rencontre dont je vais parler là. Donc, c'est bon qu'on se parle, mes soeurs. Il y a les vraies affaires à se dire. Les rencontres inattendues, là, ça peut gnammer la vie, ça peut mélanger ta vie d'une façon. Donc, quand on a déjà parlé un peu dans ton oreille, quand ça arrive, tu as des éléments pour reconnaître, tu vois, et tu as des éléments pour résister. Donc, c'est dans ce but-là, en fait, que j'ai attaqué ce premier pan-là. Donc, on va en parler, on va en parler, on va en parler. Alors, qu'est-ce que j'ai ici, ici, ici? OK. Ouais, Raymond, moi, je n'en doute vraiment pas, hein? Oui, tu vois, tu as un exemple avec Dominique Anglade, donc vraiment, fonce ma chère. C'est ce qui est en toi, fonce et déploie le point bas. Le reste là, on va gérer ça. Clarisse dit quoi? Elle connaît pas qui? Toi, tu connais pas qui?
Nadine, j'ai vu ton commentaire. Le nom du groupe, ben, c'est les Ateliers Divines. Les Ateliers Divines. Mais je vais t'ajouter. Ah, merci Raymond, ça fait plaisir de t'avoir là. Clarisse. Ouais, ne pas assumer ses actes et en faire des secrets qui empoisonnent. Ouais, c'est ça. Il y a des choses là. C'est sûr que quand on n'est pas seul dans certaines histoires, il faut quand même protéger les gens. Tu vois, il faut quand même protéger, on va dire, l'identité des gens, il faut protéger la vie des gens. Donc, il y a une façon de raconter l'histoire sans être en train de jeter le discrédit sur les autres. Hein? Je vais dire, moi, dans mon cas, c'est moi qui prends la décision de tirer une leçon de ce que j'ai vécu. Ça, c'est ma décision. Et de pouvoir comme aider d'autres personnes à ne pas le vivre. Mais en le disant, je n'ai pas à salir les autres personnes qui ont intervenu dedans. Chacun fait son cheminement à un moment ou à un autre. Donc, ce qui se passe chez les autres, moi, j'en suis pas responsable. Je parle de ce qui se passe chez moi. Vous voyez? Et quand je suis consciente que je suis en train de faire ça, en temps normal, mon sens de la responsabilité fait qu'à aucun moment, je vais être en train de dénigrer l'autre. Parce que l'autre, je ne sais pas. Vraiment. On ne peut pas savoir. Nous-mêmes, des fois, on ne sait pas ce qui se passe en nous. À plus forte raison, ce qui se passe chez l'autre. Mais il est bon d'attirer l'attention des gens sur certaines choses. Surtout de nos sœurs. Entre nous femmes, là, c'est bon d'attirer l'attention sur des choses pour que ça nous aide. Sinon, moi, comme je dis, si les gens ne peuvent pas capitaliser sur mes erreurs, sur mes difficultés, sur mes défis, c'est que je les aurais vécues pour rien. Et moi, je refuse d'avoir vécu certaines épreuves pour rien. Je refuse d'avoir fait certaines erreurs pour rien. Je dis juste non à ça. Donc, si j'ai fait l'erreur, j'estime que c'est parce que j'avais une expérience à gagner de cette erreur. Et ce gain, il n'est pas pour moi, il est pour les autres. Et c'est pendant que je serai en train de servir les autres que la vie va me servir. Donc, voici un peu comment dans mon mind, là, ça tourne. Voici comment ça bouge. Donc, voilà, je vais partager. Je vais partager. Oui, Nadine, en tout cas, ça a été une très, très, très belle recommandation. C'était une très belle recommandation. Ça, vraiment, je suis contente. Mais quand je vais lancer, parce que j'ai pensé à un programme de formation dessus, quand je vais lancer, là, vous, mes héroïnes, là, vous aurez un rabais spécialement dessus parce que ça, là, c'est du lourd, là. C'est du lourd. Donc, voilà. Linda, oui, tu es nouvelle. J'aimerais savoir comment rejoindre les ateliers. OK. Je vais t'écrire et puis t'envoyer le lien. Je vais t'écrire et t'envoyer le lien. Et puis, restez. De toute façon, c'est pas parce que je suis pas sur les lives comme 2 fois par semaine comme prévu que je vais continuer à vous balancer de l'information sur ma page. Donc, tout va suivre. Il faut juste comme rester connecté et regarder mon actualité. Coucou! Hé! Hey, voici ma maman de Saint-Donat de la catéchèse. La maman de ma fille. Hey, j'ai oublié le nom de mes enfants là. Rappelle-moi, s'il te plaît, Josie, le nom de ma petite. Ton aîné là, j'ai oublié son nom. En tout cas, ça me fait plaisir de t'avoir là. Merci d'être passé par là. Donc voilà, mes chers abonnés, c'était la petite causerie. C'était la petite causerie. Oui, Clarisse, t'inquiète. C'était la petite causerie que j'avais vraiment vous donner de mes nouvelles. Et puis comme c'était le dernier mercredi, j'ai pris ça comme un relax. Hein? Je prends ça comme relax. Mais on se retrouve dimanche. On se retrouve dimanche avec ce que la vie va me permettre d'expérimenter d'ici là, avec, on va dire, le sujet que Dieu va me mettre à cœur de vous partager. OK? Allez, donc je vous fais plein, 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 plein de bisous. Merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Donc, c'était votre coach, Evelyne Yeboah-Roland, qui œuvre dans le développement personnel, mais surtout en se basant sur la relecture de vie pour que notre passé, nous puissions comme l'utiliser de sorte à ce que le futur, comme on disait à l'époque, que le futur soit radieux. Clarisse,
pour que le futur soit radieux. Donc, s'il y a de quoi, des fois, ben, vous pouvez m'écrire pour me poser certaines questions, comprendre mieux les services et tout, mais je vais faire comme une mise à jour et tout, puis vous les aurez. Donc, j'embrasse, oui, j'embrasse Joyce, j'embrasse Divine, ma chère. Fais un gros coucou à toute la famille. Vous me manquez, je n'ai pas le temps de repasser pour voir au niveau de Saint-Donat, mais je vous embrasse vraiment tous, 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 tous là-bas. Allez, on se dit à dimanche. Prenez soin de vous d'ici là et puis restez connectés pour les infos qui vont suivre. Allez, bisous!